Mon vaisseau! Casse à toi! Il est fou, il est fada, hein. Attends, mais moi je viens de la campagne, j'ai pas peur des crabes, hein. Donc l'entrée est là. Bon, le warper il va m'emmerder par contre. Il va me surprendre, il va me TP, ça va me foutre la gerbe. Let's go. Bon. Tiens, réparons ça, tant qu'on y est. Hop. On va se mettre à l'abri là-dedans. Si on arrive à y rentrer, voilà. On va prendre du coup ça en 5. Et c'est parti. Pas d'algues mortelles, c'est déjà ça. Oh, vas-y, mais prends la tise. Integrating new PDA data. Prends la valise. Prends la valise. C'est tout. Machine à café, j'ai déjà. C'est tout, j'ai eu deux données, c'est bien. Mais c'est tout. 12 à Bourza. Je vais même pas arriver à repartir. Tellement que je sais pas par où je suis passé. Bon. Par contre, ce biome m'intéresse. Le plus important est à l'étage. On est d'accord que... J'ai raté l'entrée à l'étage ou... Ben, j'aurais fouillé dans tous les cas. Hein. Parce que j'aurais vu que j'avais pas été à l'étage, mais... Par où on rentre? Par en haut? Non. Par l'écoutille. Rentrons par l'écoutille, à tout hasard. Ok, je peux scanner. Qu'est-ce que je peux scanner? Ah, l'unité de confinement pour aliens. Ça, je l'avais jamais eu. Pour le coup, c'est bien. Pour le coup, c'est très très bien. Il y avait donc une échelle que j'ai ratée. Hop. Très bien. Et du coup... Ah, on va pouvoir scanner du bordel. Ça, je m'étais cassé le cul à la ramener une fois. Tablette orange, ah ouais, ok. Ok, donc il y avait du merdier, ouais, effectivement. Ça partira dans le biome, enfin dans le bioreacteur. Et je pense qu'on est bon. J'ai pas un autre à prendre ici. Tac, 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 tac. Non, non. Rien. Outil. Et là-dedans, rien non plus. Ok. Bon, mais ma foi, je kéblo par les portes. Bon, on pourrait y aller. Putain, je... je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'ils ont foutu de Mossy Mouse? Très bien. Est-ce que ici, j'ai autre chose à foutre ou pas, tant que j'y suis? Ok, bon, c'est un 9 rare. Très bien. En vrai, il y avait de fortes chances que je le mette dans l'unité de confinement, mais... Ok, ça, c'est la Lost River. Je l'ai là. J'imagine que c'est ça. Je me rappelle que la Lost River, il y a une sorte de fumée vert. Hein. Au fond... Est-ce que, du coup, c'est pas ça, mais est-ce que je peux le scanner ou pas? Le fumée vert. On peut pas le scanner. Est-ce que par hasard, je pourrais la trouver? Est-ce que j'ai des balises encore? J'ai deux balises, ok. Ça peut le faire. On pourrait se mettre une petite balise à l'entrée de la Lost River.
Comme ça, on saurait où aller. Il me faut du nickel aussi. C'est vrai que le nickel, je ne l'ai pas encore trouvé. Probablement dans Lost River, d'ailleurs. Nous y voici. Ça fait très mal, très bien. Bah, premier truc que j'ai essayé de faire, c'est y aller. Petit coup de sonore. On y voit si peu que ça? J'avais oublié qu'on y voyait aussi peu ici. Du coup. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que je peux scanner la fumée verte ou pas? Donc. Là, on a une entrée de Lost River. On va mettre une petite balise, du coup. 3. 3. C'est balancé. J'enchaîne la balise. Entrée. Lost River. River. Welcome aboard, Captain. Bon. Ben, on a quand même pas mal avancé. Vas-y, tu sais quoi? Sauvegardons et allons un peu plus loin, voir ce qui s'y passe. On est à 600 mètres de profondeur, ça va commencer à se voir. Est-ce que je peux traverser ça ou pas? Ou est-ce qu'il y a un sol derrière? Il y a un sol derrière, très bien. Un message radio, ok. Est-ce que c'est pas maintenant que je vais avoir une hallucination? Je crois que il y a un délire comme ça quand t'arrives dans la Lost River, t'as une hallucination. Et là on a un squelette, mais est-ce que je peux le scanner de là sans prendre de dégâts? C'est pas sûr. On va tenter. Je peux pas le scanner? Ah bon? Ah merde. Chiant. Lui là, je vais pouvoir le scanner, non? Alors, j'enregistre beaucoup, je sais, mais je me chie dessus un petit peu. Non, mais je connais pas du tout l'endroit. Ok. Ouais, mais tu prends des dégâts, genre. Tu prends beaucoup de dégâts ou tu prends un petit peu de dégâts? Genre, enfin, est-ce que tu peux en récupérer sans crever ou pas? Bah, en vrai, le mieux, c'est de tester. Hein. Je pense. Parce que le souffle cristallin, j'en ai besoin, ouais. Ça va? J'ai pris 3 PV. Ça va? Donc t'en trouves pas partout du soufre cristallin déjà. Et ouais, il m'en faut du soufre cristallin. Où est-ce que est-ce qu'on peut en voir quelque part? Calme-toi, José, tu m'as fait peur. Mmh.
C'est peut-être pas la meilleure idée de le scanner maintenant, mais... Ok, j'en ai un. Ah, le poisson. Putain. Il sort. Il est cané. Bon, l'oxygène. Je suis pas un... je suis pas un animal aquatique. J'avais oublié l'oxygène. Ouais, ok, j'imagine. Non, non, moi je suis un normal. Sauf que, le soufre cristallin, je sais pas combien il m'en fallait. Et qui c'est qui hurle comme un dégénéré comme ça, là? C'est toi? Bon, le dégène original. Ok, souffle cristallin ici. On va tracer, on va le récupérer. Il y en a un autre là, ok. Vite, vite. Ouais, ouais, ok. Allez. On va faire gaffe maintenant. Vas-y. Peut-être le regretter, mais on va faire gaffe. Parce que là, s'il y a un ghost qui arrive, bah, du coup, bah, je suis baisé parce qu'il va passer à travers mon Simaus. Bon. Regarde, en hauteur, il y a une base. Bah, non, du coup. Ouais, donc là, je sais qu'il y a un truc. Ouais, ça, je l'avais vu sur le stream de Bagheera. On peut aller voir là, bien sûr. Oh, me dis pas qu'il me faut une tablette verte, j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Une tablette ou un cube. J'ai la tablette. Ah mais c'est pas... Ok, je pensais que c'était un truc qui a enlevé le... Ça passe? Ça passe. Ok, on a des cubes, ça c'est cool. Et on a des os et des trucs à scanner. C'est très bien aussi. J'aime. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quand je vais prendre le troisième, ça va ouvrir ça. Et que derrière, il y a un truc pas plaisant. Non? Ok. C'est ça la base que tu me parlais ou c'est autre chose? J'ai scanné ça? Ouais, apparemment, ouais. Est-ce que... Ok, je peux pas prendre. Est-ce que ça, c'est comestible? C'est incassable, surtout. Très bien. Oh, il y a du... Il y a du lore, il y a 3 cubes, c'est bien. Il y a 9 de créatures. Hop, un peu d'eau. Un peu de bouffe. Très bien. Ça, je peux scanner ça? Ça, je peux pas scanner. Ok. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est de ça que tu me parlais, du coup, quand tu disais il y a une base. Hein.
Parce qu'en l'air, à part un plafond, il n'y a rien. Hein. Pardon, José. Excuse-moi, José. Je veux pas te... pas t'embêter, José. Du hobby. Bon. Eh bien, il faut repartir. Enregistrons et repartons. Alors, c'était par là, l'entrée de la Lost River. Du coup. Donc, on a cramé la seule tablette orange qu'on avait, par contre. Ça m'emmerde un peu, mais c'est pas très grave. On a eu pas mal de données. Alors, est-ce qu'elle va être intéressante ou pas, je ne sais pas, mais on a eu pas mal de données, c'est bien. Ok. Et donc, j'ai été à gauche, et je sais qu'à droite, il y a une autre entrée. J'ai été par là, et par là-bas, il y a une autre entrée, je crois. Des os. Ok. Donc, là on est revenu au biome pompon, il faut que j'arrive à retrouver la sortie. Tellement mauvais souvenir de ces biomes de soufre, de ces trucs de soufre là. La seule fois où je me suis approché de ça, quand je me suis retourné, j'ai un faucheur qui m'a chopé le cul. La première rencontre que j'ai fait avec le faucheur. Donc je m'en rappelle. Hein. C'est fou ça, ils peuvent pas foutre la paix à mon bordel hein. Il est où? Je le vois pas. Réparateur, 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 il est là, hop. Ça c'est chiant qu'il passe à travers les textures. Ok. Très bien, bon on ira plus tard. Là je vais repartir au vaisseau si j'arrive à y repartir. Et je vais reprendre du stock de nourriture et tout ça. Et en voie de vrai je trouve que c'est bien, j'ai fait une bonne avancée. C'est quoi ça? C'est un œuf. C'est un œuf. Bon, ça ira dans le biocarburant. Et oui, à la base, oui, c'est ça que j'avais prévu de quoi faire une base. Un début de base. On verra plus tard. On verra plus tard. Parce que vu qu'il y a des trucs agressifs, si je fais un début de base ici, il va se faire déglinguer très très vite par les crabes, donc ça vaut pas le coup. Par où c'est l'entrée? Le cyclope est là-bas. Et c'est là que ça va être compliqué. Oh, je trouve un petit passage. Des os. Donc là, on a retrouvé ça. Ah oh, putain, je suis du père. Je suis complètement du père. Par là-bas ? En fait, faut que j'arrive à sortir de la cavité dans laquelle je suis. Pour retrouver, entre guillemets, la surface. La surface de le truc aquatique.
Ouais, non, mais c'est il y a un monde où je vais partir avec ça. Je vais prendre le prawn et je vais leur défoncer la gueule. Hein. Ok, je pense que j'ai trouvé la sortie. Je pense. Maintenant, à savoir, est-ce que je suis loin ou pas? Est-ce que je suis proche du... Après, le ghost, on est d'accord qu'il est luminescent, donc tu le vois de loin, non? Là-bas. Ok, on y est. On a retrouvé. Ça marche. Ben merci beaucoup d'être passé. Merci pour les conseils. Merci pour l'aide. Ça fait plaisir. Et je vais être beaucoup moins serein maintenant que tu vas partir. Et il est 1h32, j'ai toujours pas bu mon café, il est glacé. Est-ce que c'est bon le café glacé pour le ventre? Aucune idée. Mais on a quand même pas mal avancé, c'est cool, je suis content. Où est-ce que j'ai le soin? Là. J'ai plus de bouffe, très bien. Bon, on va rentrer de toute manière. Hop, petit kit de santé, ça évitera que je me fasse one shot par quoi que ce soit. Tac, 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 tac. Voilà. Il est joli quand même cet œuf. Je pense que c'est une raie. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est une raie. J'ai un petit poisson d'ailleurs, je vais le bouffer. Hello. Tac. Allez, on y va. Hop, on se réinstalle. Et on rentre à la base. C'est parti. On va faire un tout droit. On est à 193 mètres de profondeur. C'est parti, mon kiki. Que j'aime pas le cyclope, il se traîne le cul. Regarde à la vitesse où on va. Je suis à 2 sur 3 en termes de vitesse. On fait à peu près 5 mètres par seconde, sérieux? Ouais, à peu près 10 mètres par seconde, allez, va. Ça fait 600 mètres à la seconde, à la minute. Ça fait 60 km/h. Ah ouais, bon. Pas incroyable, mais c'est pas non plus dégueulasse. Mais j'ai pas l'impression d'aller à 60 km/h, clairement. Après, c'est parce que les biomes sont grands. Alors les baleines, poussez-vous parce qu'il y a un monde où je vous heurte là. Évidemment, on fait la liaison, c'est un H muet. Je pense que j'irai avec le prawn la prochaine fois. Fait sursauter de ouf! Qu'est-ce que j'ai heurté? Rien! Y a rien! Et me faites pas des bruits comme ça, bande de cons! Je me suis chié dessus, moi! Sans déconner! Putain, mais quelle bande de cake! Mais je sais même pas ce que je heurte, vas-y, ta mère! C'est bon, plus rien à foutre. Vous entendez? Plus rien à foutre. Vous avez... Ah, là, bam, l'original, voilà. Normalement, c'était pas vu, je l'ai faite. Hein. C'est si long. Vas-y, je passe tout droit. Ça va peut-être un peu racler parce qu'on est on a la surface. Hein. Ah, ça va racler. Hein. Ah ouais, ça va racler comme il faut. Hein.
Ah, ça a bien raclé. Allez, on est rentré à la maison. Ah bah putain. Ah bah putain. On est rentré. Trop bien. Bon, j'ai pas mal de merde, mais c'est pas grave. Faut que j'aille vider un petit peu ce qu'il y a en dessous. Attends, je vais remplir ça si c'est pas rempli. C'est pas rempli. Vas-y, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. C'est rempli. Très bien. Donc là, faut que je me remplisse l'inventaire à moué. Au final, j'ai pas utilisé... bah, ce que j'avais pris. Ah, ok, j'ai pas mal de merde. Oh ouais, j'ai pas mal de merde. Deux allers-retours. Très bien. Ah, oh, j'ai pas été sur l'île. J'étais à côté, j'ai pas été dessus. Quel dommage. Quel dommage, j'ai pas été sur l'île. Ah, fuck, j'étais vraiment à côté, j'aurais dû. Bon. Alors, électronique, j'ai une pile, mais j'ai plus de place. Donc c'est mort. Transformé, j'ai quoi en pour y transformer? J'ai ça, j'ai ça. À gaz, hein. On va les mettre là-dedans. Hein. Alien, du coup, j'ai quoi? J'ai ça. Très bien. Donc, on a dit les torpilles. Tac, 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 tac. Ici, là-dedans. 1, 2, 3, 4. Ok. Après. Titane. Ok. On est bien. Là-dedans. Qu'est-ce que j'ai à mettre? Bah, c'est full, donc rien du tout. Là-dedans. Pas mal de trucs, très bien. Rubis. 1, 2, 3, 4. Le diamant. On a l'uraninite et le souffle cristallin. Donc c'est bien. Alien, faut que je mette l'œuf aussi. Voilà. Ok. Lui, il est inactif. Il a déjà tout gobé, putain. On verra après. On verra après. Ah, j'ai oublié de prendre des graines. Putain, j'étais à côté, hein. Complètement à côté. Tac. On écoutera le message radio après. Hein. Œuf, œuf. Cube. Titane. Tac, tac. Les sacs, je vais les poser là-bas. Je vais les poser dans la chambre. J'en ai déjà un qui est posé. Donc on va les mettre en 3. Posé avec le cul, mais ça va. Bon. On a posé tout ce qu'il y avait à poser. Let's go. Tac. On retourne là-dedans. Voilà. On récupère ce que j'ai laissé ici. Bam. Et je crois qu'on est bon. On est bon. Là-dedans, j'avais laissé rien du tout. Et là, il y a les leurs. Très bien. On est tout bon. Merci de te fermer, petit.
Hop là. 3. Voilà. On va boire de l'eau. On va récupérer les trucs que j'ai laissés dans le frigo. Voilà. On récupère ça, parce que voilà, ça doit être full. Très bien. Et on va vider le reste. Du coup, j'ai quoi? J'ai du titane, j'ai du sel. Voilà, c'est full, très bien. Ouais, du coup, je m'en ressors avec plus de titane que ce que j'avais tout à l'heure. C'est pas très grave. Le plomb. Le plomb, le plomb. 1, 2, 3. Ça dégage. Le sel. Le sel, c'est là, mais je vais l'utiliser. Du coup, je vais aller chercher 3 poissons. Elec, Elec, Elec. Donc, Elec, je vais pouvoir mettre la balise parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Mettre la pile. Elle est bien. Il me reste beaucoup de titane. On va aller pêcher viteuf. J'ai combien de sel? J'ai 3 sels. Bah 3 poissons, ça ira. Très bien. On va lire un petit peu les données qu'on a ramassées. Ça peut être intéressant. Ouais, mais nickel, j'en ai pas eu quoi, donc c'est dommage. Hop. Oui, je sais, il y a un message radio. Qui est probablement le gros alien qui veut me contacter. Parce que je sais qu'il y a un gros alien, souvenez-vous, le squelette qu'on a vu, ben, il y en a un qui est vivant, de cette taille. Mais ça va, il est, normalement il est pacifique. Et c'est lui qui est censé m'aider pour me barrer de la planète. Voilà, je vous spoil. Je vous spoil complet. Tac. Il me faut du truc, de la biomasse. Je vais récupérer ça, hein. C'est de la biomasse gratos. Longue le caillou. On est d'accord qu'eux, ils savent rien. Hein. C'est parti! Alors, tac, là-dedans, on va y mettre du coup toutes les trucs de mauvaise herbe. Et. Voilà, autant que ça fasse de l'électricité. Ensuite, on a pas mal de trucs à lire. On a pas mal de. Ouais, de données, hein. Agile inhabituel. Ok, très bien. Un schéma. Voyons voir qu'est-ce qu'on va débloquer un schéma. Un schéma, on a débloqué, du coup, la tablette orange, ouais, ok. On a débloqué la palme de charge, recharge votre outil actuel pendant le nage, c'est très très bien ça. Est-ce qu'elles vont plus vite? Je ne sais pas, mais c'est très très bien. On a eu, du coup, l'unité de confinement pour alien, et ça je vais le faire, donc 5 verres de titane, on va le faire de suite. Et le dispositif de confinement de déchets nucléaires pour le générateur nucléaire que je n'ai pas encore. Donc 5 verres de titane. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quasiment plus de cristal. Dommage. Tac, tac, tac. Du verre. Du verre. 3 verres. 4 verres. Et un dernier pour la route. Voilà.
Maintenant, grâce à ça, je peux normalement créer. Aquariums provide an ideal opportunity to study alien fauna up close. Select carefully which life forms you bring on board. They may also be studying you. Très bien. Comment ça va m'étudier? Comment ça, mon frérot? Donc, non, pardon. J'ai stasé mon bâtiment. Je veux ça, ça. Et lui, on verra plus tard. Et comment on y met les trucs dedans? Moi je veux bien, mais comment on y met les trucs dedans? Bah attendez, je suis con ou je suis con? Comment on y met les trucs dedans? Attendez, je suis teuteux! Merde! J'ai un aquarium, c'est bien, mais... Ben non, mais ça marche pas comme ça. Bro. Parce qu'un aquarium, j'ai juste à faire ça et puis j'y mets les œufs dedans, tu vois. Mais là. Mais what the fuck? Pour faire les palmes glissantes, du coup, il me faut quoi? Du polyaniline, du kit de calvage et des palmes. Les palmes? Ah merde, j'ai des palmes ultra glissantes. Ça va pas marcher. Hein, ça va pas marcher. Pour faire des palmes, du coup, il me faut. Il me faut des palmes, donc kit de cal... Donc le kit, je l'ai. Ça va. Le kit, il est là. Il va me falloir du caoutchouc pour faire des palmes. Et il me faut le polyaniline qui se fait avec de l'or et de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, ça se fait à des champignons abyssaux. Du sel. Champignons abyssaux que j'ai pas. Ouais, d'accord. J'ai pas de champignons abyssaux. Hein. Ah, fuck, j'ai plus de champignons abyssaux. Eh merde, eh merde, eh merde, eh merde. Ah mais par contre, je suis con. J'ai l'impression de vraiment être con. Comment je fais pour mettre un truc là-dedans? Y'a rien, hein, qui me permet de mettre un truc là-dedans. Confinement d'aliens, je veux bien, mais il faut y foutre les aliens dedans, peut-être, non? Pardon, mais je me vénère, en fait. J'ai l'impression d'être con. Quand je suis con, patron. Bon, ben allons chercher du... des champignons abyssaux. Putain. Chut. Con, quand même. Faut quand même être con, hein. Je pense que je vais en faire pousser des champignons abyssaux. Yep. Là, on a tout pris. On a tout pris. Bon, je crois que c'était par là. Voir par où c'était le des os là j'en ai plein le cul.
Va faire mal? Non, c'est bon, ça passe. Ça passe. C'est pas vers l'ouest? Et j'ai l'impression que je m'en vais du biome là. Donc ça ne va pas être par là. La capsule 13, ouais, mais Osef. Quoique Osef, non, il me semble que c'est à côté. Ça va être par là. Non. Est-ce que j'ai ramassé? Ouais, j'ai ramassé les trucs, hein. C'est bon. Si jamais, imaginez, c'était une capsule que j'avais ratée. Parce qu'en fait, moi, je suis à l'entrée du biome, donc... Ok, par là peut-être. Non. C'est pas par là. Je récupère beaucoup pour les faire pousser. Hein. Voilà, peut-être nord. Ah oui, ok, donc c'est nord. Alors c'est où exactement par rapport à moi? Il est proche ce coin de crabe. Donc sud-est. Donc sud-est, ça fait... Sud-est, 1, 2, 3, 4, ça fait nord-ouest. Nord-ouest par rapport à moi, très bien. Donc là il me faut des champignons abyssaux. Et il faut aussi que je déglingue lui parce qu'il va m'emmerder. C'est bon? Champion Bissot, il y en a quelques-uns ici. On y va. Ok, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Est-ce que j'en ai d'autres par là? Ouais. J'en prends beaucoup trop, je sais. Au moins on les a. Est-ce qu'il y a la musique ici? Là. Hop. C'est parti. On peut retourner au vaisseau. Je vais me faire un petit bac à Cax. Et on va planter des champignons abyssaux dessus. Avec tout ce que j'ai pris, je devrais en avoir assez pour les planter et pour... Et pour voilà. Alors est-ce que ça sert vraiment de planter des champis? Je sais pas si on peut vraiment les planter ou pas. On est vraiment pas loin en plus. Hein. C'est littéralement nord-ouest. Genre c'est là. C'est littéralement à 300 mètres de chez moi. J'étais parti, bon écoutez. Donc forcément. Forcément, forcément. Alors. Est-ce qu'il me reste de la place pour planter? Ouais. Voilà. On les plantera, je pense que je peux en choper des graines et les graines font que je pourrai les replanter derrière. On en a quelques-uns quand même. On va se faire pas mal d'acide machin chose. À peu près. Voilà.
Welcome aboard, Captain. All systems online. Thank you. Mais comment on fait pour remplir ça? Pardon. Je me vénère. Hein. Est-ce qu'il faut que je pose un œuf par terre et avec le canon impulsion je le fasse rentrer de force? C'est chaud quand même. C'est très chaud. Du coup, on va se faire quelques acides chlorhydriques. On va les mettre en produits transformés et puis... Ah, il me faut du sel. Ah, il me faut du sel. Je suis déjà salé, mais c'est pas suffisant apparemment. On va s'en prendre quelques-uns. Il faut une écoutille. Hein? Comment ça? Heureux du coup. Comment ça, il faut une écoutille? Est-ce que ce monde est sérieux? Comment ça, il faut une écoutille? Alors. Ah oui, non mais oui, non mais pardon, excuse, non. Ta phrase est pas compliquée, mais je l'avais pas compris. Autant pour moi. Ok, oui, il faut que je construise une écoutille sur la truc d'entrée. Très bien, oui. Ça marche. Genre là, je prends mon constructeur et je fais une écoutille dessus. C'est comme ça. Hein? Ouais, voilà. Ok, oui. On va la mettre là. C'est par contre, ouais, c'est peut-être dit, mais il me faut titane et quartz, très bien. Un quartz de titane, bon, ça se fait ça. Oh, mais oui, mais blam blam, hop, c'est bon. Du quartz, j'en avais pas mal, mais j'en ai plus. Merci beaucoup, parce que franchement, ça me serait pas venu à l'idée de mettre une écoutille dessus. Hein. Après, j'ai pas encore lu les dossiers que j'ai eu et tout ça, donc peut-être que ils le disent dans les dossiers, du coup je l'aurais compris plus tard, mais là, ça me serait pas venu à l'idée. Mais j'ai pas de... J'en ai plus que deux, très bien. Et là, le gros problème, c'est que j'ai pas de place, quoi. J'ai tellement cherché trop d'échantillons de corail plat que j'ai plus de place. Très bien. Donc, il me faut... comment on fait le... Avec de l'or, très bien. Bon, on va se prendre un d'or, du coup. Un d'or, tac, tac, tac. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Du coup, avec ça, on peut faire les palmes. Qui recharge, très bien. Et du coup, je devrais avoir un peu moins de problèmes de batterie avec ça, même si je n'en ai pas forcément. Au moins, c'est fait. Ok, du coup, palme de charge, là. On va ranger les palmes là-dedans, dans mon méga sax. C'est un sax, c'est comme un sac, mais qui ressemble à un cax. Voilà, je me fais tout seul. Excusez-moi. Du coup, avec ça, ben, on a fait ce que je voulais faire. Donc, on a plus de... Je vais enlever la recette. Hop. On n'a plus rien à faire de plus. Donc, je vais pouvoir écouter le message de la radio. Mais avant ça, je vais mettre là-dedans. Ok, donc je peux mettre des pots de fleurs. Et pour mettre des œufs, il suffit juste que je dépose les œufs, c'est ça? Je les lâche. Ouais, d'accord. C'est tout. Ok, bah en vrai de vrai, ça me dérange pas parce que j'avais trop de vitesse. On est d'accord que ça va les faire éclore? De les laisser comme ça? Où il faut y mettre des plantes spécifiques à l'intérieur. Aucune idée. On va voir ce que va me dire le jeu. Faut juste attendre, ok, très bien. Du coup. Trop de sel. Tac. Vas-y, je vais déposer ça avec. Je vais déposer ça.
C'est un peu bordélique, mais c'est pas très grave. On va manger un morceau parce que mon perso commence à avoir sacrément faim. C'est vrai que pour faire des petites distances comme ça, par contre, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas très grave. Alors. On replante. Voilà. Et on peut manger la dernière. Les vignes, j'en ai fait trop parce que, ben, en fait, elles font pas de. Elles font pas de vignes. Je sais pas comment dire, mais. Elles font pas de lubrifiant. Merci. Merde. Tac. OK. Faut planter les graines, très bien. Mais tu les as comment les graines? Parce que du coup, moi j'ai que des. Ah oui, mais non, mais oui, je suis con. Putain, mais oui. Non, mais oui. Tu prends la graine et que tu ramasses, c'est du con et tu la plantes. Au lieu de planter la vigne. Je suis con, je suis débile. Ça me trigger de ouf d'être débile comme ça. Mais oui. Moi j'en fasse, c'est con. Ah. Je suis con, patron. Ça fait 2 heures, mon café n'est toujours pas bu. Hein. Tac, 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 je renvoie un petit message à ma copine qui a mal à la tête. Voilà. Du coup, on va lire, avant de lire le message radio, on va lire les trucs qu'on a été chercher. Le soufre est un élément très réactif non métallique présent en grande quantité en sous-sol. Il est généralement utilisé dans la production d'acide et de combustible, très bien essentiel pour la fabrication avancée. Effectivement. Effectivement, effectivement. Données aliens. Données scannées. Équipement de recherche. Une grande table de recherche avec des scanners intégrant des technologies bien au-delà de notre compréhension. Hypothèse, équipement de maintenance, maintenance de personnel, analyse du spécimen, manipulation génétique du spécimen. Les aliens ont manifestement tenté d'acquérir des connaissances approfondies de l'écosystème de la planète, ce qui semble nécessaire pour soutenir des recherches sur tout type de spécimens vivants. La disposition de ces dispositifs inconnus suggère qu'il s'agit d'une sorte de sonde ou de capteur. Leur cible semble être le grand squelette situé au centre de la cavité. Le réseau de câbles auquel ils sont connectés pourrait aboutir à une source d'énergie ou une banque de données. Alors je sais que la source d'énergie de la planète, grosso modo, c'est le volcan. Genre les aliens qui étaient là avant utilisaient le volcan comme source d'énergie. Cet appareil bourdonne légèrement et affiche un symbole orange qui ressemble à un N. Il peut offrir un moyen d'interagir avec les technologies compatibles. Came out of nowhere. An alien kraken, bigger than a cyclops, tore a hole clear through the reinforced hull. Billy got my breather in time. I told her. I said others would come. The rupture threw me clear of the habitat. And the monster turned and bore down on me. Just as its tentacles came within reach, Mader appeared out of nowhere. She had a sea glide in one hand, a jagged piece of scrap metal in the other. She meant to butcher that beast or die trying. The last I saw her, she had the metal lodged in its neck as the monster did its best to shake her, contorting off into the darkness. I'm certain she got her wish, one way or another. Then I thought I saw a light deep below me. I hope maybe Bart had swum clear. Okay. I followed it.
Now I wonder whether I saw anything at all. Our oxygen is low. The habitat is gone. Il y a un doublage donc je laisse terminer. Something surely has the scent of my blood. Cette voix me dit quelque chose. Je sais pas où je l'ai entendu, cette voix, mais elle me dit quelque chose. Donc, ils se sont fait attaquer par un truc plus grand qu'un cyclope. Donc là, j'irai un Reaper Ghost. J'en ai pas vu. Un crâne de Reaper dans sa base. Ok. Cool. cool. Du coup... Ce qu'on nous apprend, c'est qu'on peut tuer un Léviathan, enfin qu'on peut tuer un Reaper avec un couteau. Eh ben, on essaiera. Donc ça c'est fait. Tac, 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 tac. Numéro 7, maladie. It's something new. It's not in the... Please, stop fighting and listen. We're sick. What? How? You've been coughing, right? Feeling itchy? Blisters? Yeah. The biometrics would have warned us if we were sick. It's something new. It's not in the database. Come on, then. What's it gonna do? Turn us inside out? Dissolve us into jelly? It's an alien bacteria. It's everywhere. Every organism on this planet. It's altering our genetic code. How are the creatures surviving if they're infected? I don't know yet. Want me to cut some of them open for you? Find out what makes them tick? No. Just tell me what you need, son. Materials, equipment. Just, can I have some quiet? I need some time to think. Une crevette Léviathan. Qu'est-ce que la crevette Léviathan? J'ai pas encore vu les crevettes Léviathan. Je vois pas ce que c'est. Du coup, donc tout le monde est infecté, tout le monde se modifie génétiquement, pas à cause de la bactérie. Une hypothèse que j'émettrai en tant que non-scientifique, c'est comment les créatures font-elles pour survivre? Elles ne survivent pas, elles meurent. Mais elles meurent comment? Elles sont bouffées, en fait. Elles sont bouffées par d'autres prédateurs, donc voilà. Les autres prédateurs étant plus gros, ils mettent plus de temps à crever la malade de la bactérie, etc., etc. Alors... Habitat. So happy about Maida. Say, kid, I brought you something. Is that a Leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed that thing? It's still breathing. I was about to finish the job, but I can stay and chat if you'd like. No? Then make yourself useful and pass me that hardened blade. Are you out of your mind? You brought that thing here? What if it's not as dead as it looks? What if others come? You prefer it got curious and came of its own accord, or got messed up and dragged here? When we get off this planet, I am going to drag you through every continent. Ok, très bien, donc ouais, c'est pour ça que je la connais pas. Ok, donc elle a été tuée. L'autre, elle est partie chasser des Léviathans, quoi. Très bien, ok. Pourquoi pas, hein. Elle veut pas venir avec moi, par hasard? I have had it with you, risking our lives. Oh, stow it, Chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. But tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. He means you're being reckless. Father, the outcome's no better if we hole up in here and don't go outside. That we have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base. Your sea base? I'm going outside. Bart, Torgal has disembarked the habitat. Bart, come in. It's dangerous. Damn it, boy. I know you can hear me. Chief. Chief, get off the radio and put on your helmet. What? Brace! Très bien. Très bien, très bien.
Amiboïde, qu'est-ce que c'est donc? S'est trouvé attaché à la Terre, il se nourrit jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, auquel cas il se divise pour créer de nouvelles progénitures génétiquement identiques, et ce cycle se reproduit. Ok, très bien. Décédé, mélange de fossiles de Léviathan. Ces fossiles appartiennent probablement aux lointains ancêtres des Léviathans qui peuplent la planète aujourd'hui. La taille relative et la délicatesse des os suggèrent qu'ils faisaient partie du conduit auditif d'une autre structure interne complexe. Squelette ancien fossilisé. Les squelettes d'un carnivore blindé datant d'un million d'années. Un million. Tu te rends compte ce que ça fait un million, Larmina? Les projections suggèrent que cette forme de vie aurait été plus grande que n'importe quelle créature vivante rencontrée sur la planète. Les océans de l'époque auraient été très différents pour pouvoir contenir des formes de vie de cette taille, avec une géographie plus ouverte et beaucoup plus d'individus de la gamme du Léviathan. Parce que si lui... il existait, il lui fallait des créatures de la taille des Léviathans pour manger. Tout simplement. La raie spectrale, du coup, dangerosité aucune. Cette espèce de raie s'est adaptée à des conditions d'eau profonde. Son corps est entièrement protégé par une peau translucide et ses grandes ailes sont capables de se propulser, de le propulser avec une force considérable. Chair empoisonnée. Comme pour les autres raies de 4546B, la chair de raie spectrale n'est pas comestible, ce qui en fait un herbivore des plus résilients. Elle se nourrit de matières végétales qui se sont déposées sur le sol dans les cavernes profondes, non comestibles. Oui, c'est une espèce éteinte, je me doute. Ouais, du coup... Parce que le carnivore le plus gros, il fait une 140 de mètres et il se trouve dans les volcans, si j'ai bien compris. Donc, espèce d'algue à pointe bleue. C'est passé un sommeil, c'est dangereux pour faire des formes de vie. Mais cette algue s'est adaptée en développant un système racinaire épais et inflexible qui peut résister à l'environnement, qui peut soulever les modules bleus sensibles au-dessus du niveau de la saumure. Très bien. Bon, et bien il nous reste le message radio à découvrir, et puis on va s'arrêter là pour Subnautica, je pense. Il est quelle heure? Ah, quoique, peut-être pas. Attendez, on va voir. On va voir après, mais... Est-ce que ça craint si... Si je mets un gros œuf que j'ai trouvé là-dedans, est-ce que ça risque pas de bouffer les petites créatures qu'il y a là? Je sais pas. Je sais pas. Au niveau de l'eau, on va prendre ça. Au niveau du frigo, on va prendre ça. Les bains. Petit paquet de chips, petit café. Voilà. Petit café histoire de remettre à 100. Ça bouffe de la batterie, ces conneries. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça bouffe beaucoup trop de batterie. Hein. C'est pas gratuit comme bouffe.